est toujours pas là, le Renault. Non. Alors. Ah, monsieur Conan. Monsieur Kounen, Konen, Kounen, ça va? Kounen. Comment ça va? Bien et vous? Nickel. En pleine forme? Bah ouais, ça va. Prêt à faire chuter les temps? Il va falloir. Ah, si mon terme il est pas là, c'est dommage. Non. Il savait que tu étais là, mon ami. Ah, à chaque fois, il a peur. Ah bah, ils nous ont vu rouler à chrono, c'est ce que je lui disais. Ils se sont désinscrits, les mecs. Hein. Et franchement, chapeau, le setup, hein, elle est méconnaissable. Hein. Mais j'ai pas compris, parce que... J'avais mis les setups à l'origine, mais... Mais je comprends pas en fait ce que t'as pris. Est-ce que t'as pris hier? Est-ce que t'as pris aujourd'hui en fait? J'ai pris ça sur ta page YouTube. Hot lap que tu fais ici avec une Ferrari. Ah, mais il y en a plusieurs, j'en ai fait deux. Il est rigide ou il est souple? Il est très rigide. Ah, d'accord, ok. Ben ça c'était l'ancien que j'aimais pas du tout. Tu vois, quand tu mets un coup d'accélérateur, t'as l'arrière qui passe devant la face avant. Et je pense que la map 3 a fait du bien aussi. En qualif, vaut mieux mettre la map 1, mais sinon en course, ouais, faut mettre la map 3 parce que la map 1, laisse tomber, elle est surexcitée de fou quoi. Ouais, ouais, puis aujourd'hui j'ai roulé à Misano et à Suzuka parce qu'il y a les pré-qualifs Apex Online Racing. Oh, Suzuka, c'est un enfer, la motricité, c'est une horreur, elle part dans tous les sens, c'est abominable. Oh, et Misano, c'est pas beaucoup mieux. Hein. Ouais, c'est Misano, en plus, c'est sport technique, hein. Ouais. Et hey, toi Seb, tu roules en map 3 même en qualif, à moins que tu sois en mode course là. Ouais, j'ai pris le setup course, ouais. Ok. Parce que finalement, je viens de conduire avec pas mal, je... Voilà, ouais, là faut freiner tôt à chaque fois, alors, chicane, hein, c'est... Ouais, ouais. J'ai réussi à la faire tourner sans qu'on entende gueuler les pneus, tout ça, là, donc tout à l'heure. Faut que je garde ce rythme là parce que c'était pas mal. On passe au calife ou quoi là? Ça, il y a que 10 minutes de calife, c'est ça? 15. Et la map 2, c'est quoi? Écoute, je sais pas trop la différence. On n'utilise que map 1, 3 ou 5 en gros. Mais la 5, elle est un petit. C'est vraiment économie. Enfin, c'est pas la plus économe en carburant, mais c'est vraiment quand t'as plus d'essence ou sous la pluie, tu veux y aller tranquille. Mais elle manque vraiment de puissance, la map 5. Hein. Vaut mieux se limiter à la map 3. Mais la map 3, c'est une très bonne map. Hein. Franchement, elle est plus douce. Elle consomme nettement moins. Et tu perds vraiment pas grand chose, hein. Alors sur Spa, sur Monza ou Bathurst avec de la longue ligne droite, là c'est peut-être pas l'idéal, mais sur tous les autres circuits, moi je préfère rouler en map 3 en course, hein,
plutôt elle de est plus mettre linéaire, il me semble. Ouais, et puis plutôt que de mettre plus de traction control, je préfère mettre la MA3. Au moins, je pars avec moins d'essence comme ça, parce qu'elle consomme moins. Ouais. litres, tu vas partir. J'ai mis sur le setup, j'ai mis 72 ou 13, je crois. Il me semble. Je pense qu'il faut tout petit peu monter les pressions là. Je suis à. Ah mais il fait plus frais. Il fait plus frais là. Il fait 2 degrés de moins dans l'air et 5 degrés de moins sur la piste que. Je suis au milieu de mon troisième tour, je suis à 27,2 à l'avant droit, 27,7 à l'avant gauche. Ouais, mais faut remettre 0,1 ou 0,2, je pense. Et 27,4 à l'arrière droit. Mm. C'est surtout côté droit qu'il faut remettre un peu. Oh, ça va au large là. Il veut pas te laisser passer le gars devant. Il est large partout. Par contre, moi j'ai les températures en temps réel, Hugo. Et l'avant gauche, l'arrière gauche, je monte presque à plus de 90 degrés. Ouais, 90 degrés. Bah ouais, mais ça. Alors que à droite, ça va. Ouais, mais ça à Barcelone, t'as pas le choix. Hein. Ouais. Ouais, mais après pour moi, tant qu'on dépasse pas 100 degrés, je pense pas que ce soit bien grave. À Barcelone, de toute façon, le seul moyen de faire gaffe à la température, c'est au pilotage. Hein. Ouais, j'ai freiné tard là. Ouais, t'as un. Ou alors faire asymétrique, non. Pff, ouais. Le circuit, ouais. Pff, franchement, j'ai jamais fait asymétrique, j'aime pas. Enfin, ça me perturbe. Ouais. Non, bah après en mode course, faut juste dans tous les virages à droite essayer de glisser le moins possible, quoi, c'est tout. Ah, mais le setup, franchement, il est bon. Hein. Moi, tout à l'heure, là, j'étais. On était à 16 minutes de la fin, on avait fait 20 tours. Et j'étais encore. Enfin, j'arrivais, en me concentrant, j'arrivais à améliorer. À améliorer mes temps, donc. Je pense pas qu'on bouffe spécialement les pneus. Ben là, de toute façon, en plus, il est vachement souple hein, quand même. Donc après, hormis baisser encore le carrossage. J'ai enlevé tous les panneaux. Toi, j'aurais dû aller rouler. Moi, je pensais qu'on allait passer au qualif direct. Par tes pressions. Ouais, bah, je rajoute 0,2 là par cette température là. Par contre, c'est bien sur la Ferrari, t'as toutes les infos sur les pneus. C'est vraiment sympa ça. Ouais. Ouais, toi là, je suis à 27,3, 27,2. Ouais, oh, mais sachant que là, regarde, il est 11h du mat et ça va être. Et là, il est quelle heure? Tu vois, finalement, les températures là, sont bonnes avec celles qu'on avait. Allez. Ouais. Bonne qualif les gars. Ouais, bonne qualif. J'ai Pierre Guilly devant moi. Pourquoi? Alexandro Kounen. C'est étonnant que personne ne l'ait prise. Attends, je suis parti avec le setup course, moi. Ouais, si, c'est bien, il paraît, pour faire un temps. Pour être sûr de faire un temps, à la limite. Ouais, ouais, même pas certain, tu vois. Parce que t'as plus de chance avec le poids de l'essence de partir off-track, quoi. Ouais, mais du coup,
faudra que je remette l'essence, j'avais enlevé tout à l'heure un peu. Par contre, j'ai une piste bien claire là, c'est cool ça. Ah bah moi aussi, hein. Je peux pas avoir plus clair, je suis parti premier. Elle glisse un peu, je trouve. Alors, c'est peut-être les pneus qui sont pas encore. Ah, sur le setup qualif, j'ai mis TC2 à 6. Ah oui. On est 21 aujourd'hui, c'est pas mal. La dernière fois, il était 12 à Zolder. Ouais. Une 44-3, je valide pas, putain. Ah, ça t'aurait bien placé.
P2. Bravo. Bien. Ah. Il n'y avait pas un album de Michel Vaillant qui porte ce nom, le 13 est au départ.
Ah si, peut-être bien, ouais. Avec la légende Ligomeris. Comment il va encore t'appeler, les gars, pendant le live? Il y a moyen, ouais. Je vais essayer de taper le 42. Donc je remets le CU à 3 et on met Eh merde. Putain. Quand tu l'as perdu? Ouais. Je voulais me lancer pour bon, j'aurai encore une tentative. Mais... Ah bah, au cas où il y a un pit, il y a un crash. Non, ça va être à bon. Eh, 3 et 4, pas mal. Ouais. Franchement, tu m'as fait découvrir la Ferrari pour une première, c'est pas mal. Bon bah tant mieux. J'améliorerai pas. Bon. Je crois que c'est pas dramatique. Bon, je vais en profiter, je vais faire pipi maintenant. Tout de suite. Bon courage. Allez, Seb. T'as un dixième à aller chercher. Ça sera un dixième, hein. Putain, je l'avais. Ah non. Il y a Fripouille qui vient de nous remettre une couche. Bon, attends, dernier tour lancé. Merde. Il est méchant ce vibreur au dernier virage là, faut pas le toucher. Ouais. J'ai le gros truc fuel level là. Ça me perturbe. Je vois plus mes diodes pour passer les vitesses du coup. Aïe. J'améliore de 16,016. Ah putain, je suis passé en troisième au lieu de la seconde. Eh, c'est mort. Ah, c'est fini. Bon, c'est pas mal. Partez avec quoi comme pression là? 25-2, 26-2. Bon alors les gars, 4 et 5 du coup. Et notre ami Fripouille qui s'est réveillé en fin de session. Ouais. Alors il y a combien? Il y a 2 minutes. Chargé. Tac. Ah oui, je suis vraiment pas régulier dans mes secteurs. Attends, c'est vrai, ça j'ai pas vu. Ah ouais, mais non, ça. On sait pas les temps. C'est sûr.
peux les voir. Ah, Seb, il a validé un tour, lui. Ouais, mais Renault, t'as perdu trop de temps dans le dernier secteur et t'as perdu 3 dixièmes quasiment, au moins 2,5 quoi. Moi, ouais, mais tu mets 4 dixièmes dans le premier secteur. Moi, faut que je fasse des qualifs avec le setup course. Ouais. Ah ouais, t'es allé plus vite avec le setup course. En fait, je prends le setup course, je mets un tout petit peu plus d'angle de carrossage à l'avant, un peu moins de carburant. De carrossage ou de chasse ou... Carrossage. Ah oui. Comme ça, je peux taper un peu plus dans le pneu. Mmh. Bon, 73 litres, on a dit. J'ai mis quoi, moi? J'ai mis 72. Ah, j'ai mis 75, moi, pour être certain. Ouais, moi, je joue avec le feu, j'aime bien. Plus marrant. Rappelle-toi l'histoire des freins 1 et 2. Mais attention. Ben, justement, voilà, bon exemple. J'ai joué la sécurité avec les freins 2. Résultat, ça s'est mal passé. Donc, il faut pas que je joue la sécurité, en fait. Exactement. Ou les cœurs. Ah, mais 70, mais 70, allez. Non, non, parce que là, après, je vais devoir mettre la map 5, ça va pas le faire. Faut changer les pneus ou pas? Non, non, puisque normalement, non, y a pas de pneu numéro 20. Alors, oui, il faut faire conduire, que je... C'est à compte, partir des stands. Alors, juste, moi, pour le départ, juste là, sur l'impulsion et jusqu'au bout de la ligne droite, je mets la map 1. Ah bon? Ouais, pour le départ, c'est tout. Alors là, je me suis mis en map 5 pour les premières... Faut pas user trop d'essence au début. C'est un tour complet ou on est lancé dans la ligne droite? Non, non, on démarre direct. Ah, ok. C'est pour ça que j'ai mis que 72, sinon effectivement il aurait fallu 75. Du coup, il n'y a pas d'arrêt au pit, hein. Non, non. Non. Enfin... 45 minutes, il vaut mieux. Ouais, c'est... Ah, ou alors tu plies la voiture comme on a fait. Ça a l'air d'aller, 4 et 5 toujours. Ouais. Oh putain. Track limit. Ça commence. Hommage à notre chef. Oh, c'est une signature. Par contre, je ne pensais pas que t'allais te rabattre aussi fort, ça. J'ai pas désolé. Rectifié de pare-choc. Désolé, j'ai entendu juste au moment où j'étais rabattu qu'il y avait quelqu'un à droite. Ah oui, c'était moi. Ouais, j'ai vu après dans le rétro. Ce serait dommage quand même, hein. Ouais, je me suis dit ça allait faire brouillon. Si tu fais une botasse contre un concurrent ennemi, pourquoi pas, mais...
ce serait bien qu'il y en ait un de vous deux qui aille chercher la troisième place pour qu'il y ait que des anciens du championnat CCF PS4 sur le podium. Ouais. Et dire à Fripouille qu'il nous rejoigne. Et j'ai déjà proposé, hein. Ouais. Ah, j'ai deux avertissements, moi. Zéro, moi, ah, je pense. Oui. Ouais. T'en reviens derrière, Seb. Ouais, mais je vais te laisser passer, du coup t'es plus rapide. Dans les lignes droites, je te laisse passer. Oh, ok. Ou alors t'augmentes ton gap, comme tu le sens. Je suis dans le même temps que toi, je suis pas plus rapide. Sorti de la route devant. Ça va, si tu roules comme ça, dans ce rythme là, on prend de l'avance derrière. Thank you.
chauffleur, T93. Et il doit avoir moins d'aileron, c'est dur dans la ligne droite. Ouais. Et il a peut-être la map une, hein. Il est en galère partout aussi après. Ouais, économise tes pneus. 45 minutes avec ces températures, c'est très 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 long. Si t'économises bien tes pneus, tu pourras le bouffer en fin de course. Déjà que la gomme elle perd son optimum de performance. Oh putain, dernier avertissement. Oh putain. On roule que depuis 10 minutes, hein. Ouais. Ouais, bah écoute, d'habitude j'en prends jamais. Tout à l'heure j'en ai pas pris. Ouais, c'est parce que Max il est pas là. D'habitude il prend pour toi. Thank you.
Il y a du monde derrière vous ou vous êtes juste tous les deux derrière le RT93? Moi j'ai le 6ème qui est à 1 seconde 2 derrière moi et après il y a un gap. Ok. Sinon Seb, tu te sacrifies. Oups. Là je suis à deux doigts là. J'ai loupé le freinage. Ouais. Je rigole. Ah mais il est dans son pare-choc là. Ouais. Ça c'est pas spi hein Seb. Il a du naze lui. En ligne droite mais peut-être la map 1 non? Ouais je vais essayer parce que... C'est mon tour là. Ça a rien changé la map 1. Franchement la différence est pas perceptible. Entre la 3 et la 5, ouais, il y a vraiment un gros gap. Mais entre la 1 et la 3, moi je... Je crois que la map 1 c'est surtout plus de couple à bas régime. C'est pour ça que le moteur est excité. Ah. Il faut pas que je me rate là, ça va être bon. On n'est pas à la mi-course encore, il y a du temps hein. Thank you.
Oh, cette bataille de ouf. Ah, ça a l'air, hein. J'entends pas de... pas de bruit, j'imagine que... Oh merde, le loup. Et Renaud, t'as fait exprès de décrocher ou tu peux pas? J'ai fait exprès de décrocher un peu parce que dans le cul à Seb, j'arrive pas à le dépasser. Et tu fais une tête, j'imagine. Et j'arrive pas à... On roule vraiment dans le même rythme. Une grosse chute de performance dans les pneus maintenant. Moi aussi. Moi, je trouve que ça fait depuis longtemps, mais c'est vrai qu'après tour après tour, c'est de pire en pire. Thank you.
J'aurais pas de course sans track limit. Il vient de faire un travers de port devant moi, faut que j'y aille là. Ah, il protège, ouais. Allez, je le croise, mais non. Ah. Il a fait glisser dans ce virage à chaque fois, je sais pas comment il fait. Vas-y, vas-y, Renaud. Sorry, j'ai raté mon frein. Et puis j'ai pisté. Moi, bon, je suis à l'attaque de tout à l'heure, du coup, j'aurais des meilleurs pneus, je pense. Pousse. Oh non, putain, il me touche. Oh, sérieux. Acheté dehors ouais, j'ai eu un lag à ce moment là et il m'a touché mais il m'a pas laissé la place quoi.
pas les dégâts. Bah non, même pas, mais en fait c'est une toute petite poussette, mais ça m'a envoyé à l'extérieur. T'arrives à revenir, Renaud, du coup? Ouais, minimum. Légèrement, puis ça se dé... ça, je repère un peu. Ouais, là, je vais te perdre 6e, par contre. Ah. Il a fait un bon tour, là, 45-6. Ouais, 46-3, moi. Ah ouais, putain, faut que je revienne sur le 5e là, ce que tu m'as jeté là. Dommage, c'est pas le P3. 45-4. Bien. 45-8. Allez, en l'eau. Une seconde sac devant. Accepte pris de la distance avec le gars devant, enfin t'as pris de la distance. T'es distancé tout du coup. Ouais ouais, moi je suis distancé là, je suis à 5 secondes. Et 6 secondes derrière moi. Ok. En fin de course, je me retrouve toujours dans des no man's land. Même à Spa, on était encore 40 sur la piste, j'étais seul. Y'a pas un qui a envie de prendre un petit DT là? Bah si le numéro le 93 avait envie, écoute. Ouais. Mais je ne dirais pas non hein. Je n'ai rien contre lui, mais bon. Mais bon, il gêne quoi.
arrive sur les 18 et 19 en bataille. Allez, c'est le dixième, Rondo. Ouais. Il y a un drapeau bleu qui... J'ai du mal avec le concept de laisser passer. C'est Boris. Okay. Ah. C'est le P14. Ah, deux erreurs coup sur coup, putain! Ah merde. Car on the left. Clear on the left. Ah ouais, putain. T'as combien là? 2 secondes. Ah, j'ai l'autre derrière qui revient fort. ADT, c'est pour qui ça? Non, c'est pour un retardataire. Ouais, c'est un retardataire. Volant, il y a plus de force feedback quoi, et tous ils sont morts. Ouais, c'est le P19 qui a un DT. Bah là, il y en a un qui vient de purger son DT. Là. Ah, mais il y en a un autre qui... Oui, parce qu'il y en a eu deux qui surcoup en fait. Oh putain. Oh, il n'y a plus de pneus là. Hein. Bon, il va rester... Encore un tour après celui-là.
m'étonnes que t'aies plus de pneus, t'as été en bagarre toute la course. Heureusement qu'elle est retardataire pour toi, autant tu te fais chier. Bon, dernier tour, messieurs. Ouais, je vais être large en essence, il me reste deux tours d'essence. Allez, je mets la map 1 pour la gloire. Pour les photos. Allez, on extrait tout ce que les pneus ont. Connerie du coup. Oh, je suis passé à deux doigts du DT, putain. Ah. Là, je reviens comme un boulet de canon sur le... J'ai repris 2 secondes là. Alors Renault, ça peut... Ah, une seconde, je suis revenu, mais ça sera trop juste. Ça pourrait remplacer ton Audi. Ouais. Ah, 7 dixièmes. Ouais, dommage. Ouais. Il a tenu tout le long et un gros mental quand même, parce que moi j'ai fait 19 tours à son cul. Il me reste 2 tours, bon ça va. Aïe 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 aïe. Qu'est-ce que vous faites pas... C'est... Monsieur Kounen qui fait des... De drift, hein. Du rodéo urbain. Du coup, mon Racecraft il est passé à 99. T'en as pas gagné pendant la course? Bah, si, du coup, il est à fond. Ah! Même avec ma petite touchette? Ah, le SA? Ouais, mais je pense qu'après la course, je pense pas que ça compte. Ouais, le Racecraft ça a rien à voir. Hein. Ouais, non, le. Parce que sinon, t'imagines quand tu fais des burn et tout, t'aurais le car control à zéro, quoi. Et les pneus à l'avant, 1,79 intérieur avant gauche. Et heureusement qu'on a fait que 45 minutes, hein, parce que. Ouais, ça bouffe les pneus. Hein. Ouais.
Il y a une grosse différence entre l'intérieur et l'extérieur. Ouais, il aurait fallu mettre moins de carrossage. Pourtant, j'en ai pas mis non plus de ouf, quoi. J'en ai pas mis de ouf. Bon, bah je vais aller à l'interview. À l'interview, effectivement. Bon, à tout à l'heure, les gars. À tout à l'heure. Bon, est-ce qu'ils sont les autres? Y'a que moi pour l'instant. Ouais. Ah, Lolo? Moi, je suis là. Ah, ok, ok. Je voulais savoir si tu m'entendais bien. Ouais, je t'entends bien. Ok, super. Bon, je vais peut-être identifier nos deux amis. Anthony Zavant. Mais quel est son pseudo? C'est ça la question. Alors, c'est Fripouille. Ah, c'est Fripouille. Comme ça, on sait. Et le pilote de la RT 93. Il est là. Qui est là? Ça, c'est bon. Hugo, pour toi, c'est deuxième participation, deuxième victoire. Si je dis pas ta dernière victoire, si j'oublie pas ta dernière victoire en Porsche Cayman GT4 sur Zolder, non? C'est pas ça? Exactement, ouais. C'est bon, exactement ça. Ok. Ben, voilà, comme ça, on sait. J'ai une bonne mémoire, ça fait plaisir. ben, donc, du coup, je vais attendre. Fripouille, et si pas, eh bien on débutera l'interview. Par contre, je suis vraiment désolé pour la fin du direct, je n'ai pas compris ce qui s'est passé au niveau de ma connexion. Je tourne d'habitude très très bien et là j'ai eu la moitié de ma connexion qui s'est perdue. J'ai pas trop compris, donc c'est un petit peu plus saccadé, c'est dommage, je m'en excuse. Mais bon, voilà, comme ça vous le savez. Et Fripouille, s'il est toujours pas là, j'ai envoyé un message sur Facebook, mais je sais pas. On va voir. Et je vais envoyer un message sur Discord aussi. Ouais, moi je vais attendre juste une petite minute et après on lancera ça. Je sais pas. Il est connecté pourtant, mais... Je sais pas.